Je m'appelle Elsa, j'ai 18 ans et j'habite sur Bordeaux. Je suis en double licence Infocom anglais, en L1. Je fais de l'athlétisme depuis 8 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Je pratique de l'escalade avec l'université. Et disons que c'est très différent parce que ben l'athlétisme je le fais pour les compétitions etc, alors que l'escalade c'est beaucoup plus pour le plaisir, pour essayer de découvrir un nouveau sport, puis c'est pas les mêmes objectifs, le même travail physique etc, donc c'est intéressant. Moi je fais essentiellement des crosses parce que je suis spécialisée en endurance et j'ai fait un peu de javelot aussi, mais bon bah faire deux entraînements sur deux disciplines en même temps, c'est un peu compliqué, surtout avec le Covid, etc. Donc plus de compétition. Mais voilà, et au niveau de mon palmarès, il y a 3 ans de ça, je suis allée jusqu'aux demi-finales de France de cross. Je dois avoir un niveau, je dirais régional, en cross. Voilà, j'avais fini dans les 10 premières. Et à côté de ça, en 2018 ou 17, j'ai été championne de Gironde de javelot. Voilà. Reprendre le rythme, parce qu'avec le Covid, c'est compliqué. C'est très compliqué. On a une grosse coupure, plus l'envie de rien faire. Puis là, faut vraiment tout reprendre. Puis j'ai beaucoup perdu physiquement, comme beaucoup de gens, je pense. Donc, faut s'y remettre. Voilà. Je pense que mon meilleur souvenir sportif, c'est vraiment quand j'ai fini championne de Gironde. Parce que quand je suis arrivée, j'étais pas encore à un très très haut niveau et dans ma catégorie, à mon âge, il n'y a pas énormément de monde qui fait du javelot. Et quand je suis arrivée, les juges m'ont regardée en mode « Mais c'est quoi cette fille? Elle est toute petite, elle a pas du tout la carrure d'être une lanceuse. » Pas du tout. Et puis au final, je l'ai lancée à plus de 30 mètres. Et ils ont pas dit grand chose, donc j'étais plutôt contente, voilà. Voilà, j'étais fière de moi, je me suis dit bon, comme quoi, ça fait pas tout. Enfin, après ça dépend, hein, parce qu'à haut niveau aussi, ça fait quand même pas mal la carrière. Mais là, ça allait.